Descente du Saint-Esprit, le vent impétueux qui viendra pour te donner
tu es en accord avec Dieu le Père, tu es en accord avec Jésus le Christ, et tu es en accord avec le Saint-Esprit. Aïe, Père Roche, donne-nous à être accordés. Nous désirons être accordés. C'est pour cela aujourd'hui nous crions à toi, corps Jésus. Jésus, Ayanda, élève la voix, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier à lui aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Nous sommes là, nous sommes là. Mon frère est là, ma soeur est là. Yenevoshaya, nous avons besoin de toi. Yenevoshaya, oh, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes là. Oh oui, nous sommes là, Jésus. L'amour de nos vies, nous sommes là. Le rocher de mon salut, nous sommes là. Ici à Massy, par les eaux. Ici à Massy, par les eaux, nous sommes là. Une armée là. Des adorateurs, une armée des adorateurs, une armée des passionnés de Christ, une armée des hommes et des femmes déterminés à venir s'humilier devant leur Dieu, à y aller vos chéquiers afin de pouvoir prendre possession de cette ville et des villes environnantes. Accordez-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir tous ensemble reconnaître qui est des roches. Oh oui, nous sommes là, disposés pour toi, disposés pour toi, disponibles pour toi, oh oui, nous sommes là, Seigneur, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Christ et Dieu le Père sont ici par le Saint-Esprit, Esprit des dieux souverains. Nous voulons, Seigneur, honorer ta présence. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Esprit de l'Éternel, nous sommes là. Esprit de Dieu souverain, nous sommes là. Esprit de vie, nous sommes là. Élève la voix pour lui dire, oh Saint-Esprit des yeux, accorde-moi la grâce. Élève la voix, élève la voix. Oh Yenevosh, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre crier à lui. Je vais t'entendre dire, oh Saint-Esprit des yeux, aïe, accorde-moi la grâce d'être disposé, disponible. Parce que en cette saison, non, je ne veux pas être largué. Non, je ne veux pas être largué, Seigneur. Non, je veux te tenir, je veux te toucher. Je m'approche, je ne te laisserai pas partir. Non, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir tenir ferme. Seigneur, je t'en supplie, nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souverain. Viens nous pouvoir sauver jamais dans nos vies. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Ici à Massy, nous sommes là. Oh oui, nous t'attendons, nous sommes là. Nous te désirons. Et nous crions à toi. Non, je ne vais pas partir. Oh, mais je suis arrivé en ces lieux. Oh, je sors d'ici transformé. Je sors d'ici métamorphosé. Je sors d'ici complètement transformé. C'est pour cela que je te dis, Saint-Esprit. Oh oui, Esprit de Jésus. Esprit.
ensemble. Oh, nous sommes encore dans l'expectative de recevoir. Nous sommes dans l'expectative de te voir ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir aujourd'hui dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens de vos chayas, viens de voir mon chayas. Ne laisse personne partir. Oh, viens de vos chayas. Rentrez chez lui, rentrez chez elle. Oh, mais les venus, non. Seigneur, accorde la grâce afin que nous soyons impactés. Seigneur, un son pour Benjamin. Un son, mets ton son, Seigneur. Un son pour Benjamin. Aujourd'hui, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, il y a des beaux chakababa. Viens déverser l'abondance. Viens, il y a des beaux chayas. Viens déverser l'abondance de ta grâce et le don de ta justice. Viens déverser aujourd'hui. Akabaya de Bosheke, afin que nous puissions prendre notre envol comme des ailes, parce qu'aujourd'hui nous voulons, Seigneur, bien de Bosheke, disposé pour être accéléré, l'accélération divine dans nos vies aujourd'hui. Nous décidons, Seigneur, Aya de Bosheke, Baya, nous décidons, nous te laissons toute la place, alors viens conduire. Viens nous saisir, saisis ma sœur, saisis mon frère. Ayanda Bachata Babababosha, transporte-nous dans ta gloire, amène-nous dans ta gloire. Nous sommes là, Saint-Esprit, viens de voir. Nous sommes, nous sommes. Bien-aimé. Jacob, quand il a lutté avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel, il a dit, non, je ne te laisserai pas partir. Il faut que tu me bénisses. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup attendu. Je suis resté longtemps dans le désert. J'ai tourné en rond dans le désert. En cette saison de vitesse, comme le Père a dit, la saison de la vitesse, la saison de vitesse, l'accélération divine. Alors je ne veux pas voir les autres, laisser voir les autres partir et moi rester sur place. Seigneur, accorde-moi la grâce. Ne me laisse pas rester sur place, donne-moi la vitesse. Donne-nous, Seigneur, à accélérer. Dans nos projets, nous voulons accélérer. Dans nos vies, nous voulons accélérer. Dans nos projets, nous voulons accélérer. Dans nos vies, nous voulons accélérer. Dans nos projets, accélérer. Élevez la voix. Dans nos vies, nous voulons accélérer. Nous voulons accélérer. Oh, dans nos vies, accélérer. Dans ma relation d'intimité avec toi, dans mon intimité avec toi, Jésus. Oh, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, que l'accélération divine soit notre partage. En cette saison particulière, nous désirons. Non, nous ne voulons pas rester sur place. Non, nous ne voulons pas rester sur place. Donne à ma soeur la vitesse de guépard. Donne à mon frère la vitesse de guépard. Mon frère a beaucoup tourné avant. Nous avons beaucoup tourné dans le désert. Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette saison. Canard. Donnez-nous à rentrer dans notre canal. Donnez-nous à traverser le Jourdain. Donnez-nous à prendre possession de nos étoiles. Donnez-nous, Seigneur, à prendre possession de ce pays où coule le lait et le miel. Donnez-nous. C'est pour cela que nous disons dans nos vies. Oh oui, dans nos familles. Dans nos vies professionnelles, oh, dans notre intimité avec.
fait que Jésus. Oh, dans notre vie, la vie de prière. Aïe, les roches. Dans ma vie d'adoration. Oh, et les roches, la vie d'adoration. Dans ta vie, la vie d'adoration. La vie de prière, la vie de consécration. Seigneur, nous voulons prendre de la vitesse. Nous voulons prendre de la vitesse afin de prendre notre vol comme des aigles. Aïe, de Rochaïa, nous désirons. Oh, nous désirons. Donnez-nous à ne pas être sur place. Seigneur, donnez-nous à aller avec vitesse. Élevez la voix. Dis, je ne veux pas. Je vais faire comme Jacob. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, non, Hayane Boshaka. On m'a trop roulé. J'ai trop attendu. Seigneur, change-moi. Oh, oh, change mon nom. Tu as dit, tu me donneras un nom nouveau. Oh, tu as dit, tu me donneras un nom nouveau. Parce que pour opérer à la dimension où il attendait toi, il te faut un nom nouveau. Il a dit, il te donnera un nom caché. Jacob a dit, non, donne-moi. Oh. Je ne te laisserai pas partir. Rébaptise-moi. Rébaptise-moi. Rébaptise-moi en cette saison. Rébaptise-moi en cette saison. Donne-moi ton nom, le nom caché que tu as prévu pour moi pour opérer dans cette dimension. Et le Boshaya, rébaptise-moi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Non, je ne te laisserai pas partir. Je m'approche. Aïe, jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que tu prononces des paroles de bénédiction. Des paroles pour que ici, aujourd'hui, je prenne conscience. Que je puisse attacher des paroles dans ma vie, dans ma destinée. Viens de rocher que ma maman va vous taille. Oh, aujourd'hui, rebaptise-moi. Un nom que tu as préparé pour moi, pour entrer dans mon appel aujourd'hui, pour entrer dans ma mission, dans mon ministère. Ne me laissez pas compter. Oh, bon, mais je suis arrivé, non. Donne-moi quitter ces lieux avec un nom nouveau, parce que je vais accomplir ta volonté. Toi qui m'as suscité pour accomplir des bonnes œuvres. Aïe, 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 non, Seigneur, accorde-moi la grâce. Aujourd'hui, je vais prendre de la vitesse. Je ne quitte pas ces lieux sans cette transformation. Aïe, que la métamorphose soit notre partage. Que la métamorphose, la transformation radicale. C'est pour cela, aujourd'hui, nous disons rébaptise, rébaptise. Yahvé, Boshaya, rébaptise. Bien-aimé. Dieu donne toujours un nom. Il te rébaptise en fonction de la mission que tu as. Chacun d'entre nous a une mission. Chacun d'entre nous a un pouvoir. Chacun d'entre nous a des bonnes œuvres à accomplir. Tu as des bonnes œuvres à accomplir ici-bas. Et tu dois rentrer dans la fonction, dans ta fonction. Tu ne tourneras pas dans le désert, non. Aussi longtemps que les ténèbres ont duré dans ta vie, la lumière finira par paraître. La lumière finira par paraître dans ta vie. Et aujourd'hui,
Le Seigneur veut te donner un nom nouveau. Le nom qu'il avait caché pour toi. Abraham, Dieu a changé son nom. Il lui a dit, tu deviens père d'une multitude, une source de bénédiction. C'est ta volonté pour mon frère, pour ma soeur. Tu nous as suscité ici pour être des sources de bénédiction. C'est pour cela que je dis, rébaptise-moi. Oh. Rébaptise-moi. Rébaptise-moi. Ne laisse pas quitter ces lieux comme je suis arrivé. Donne-moi un nom nouveau. Conforme, Seigneur, à la mission que tu m'as donnée. Parce que je ne veux plus errer dans le désert. Donne-moi à marcher dans l'obéissance. Afin de ne pas tourner dans le désert. Afin de rentrer dans mon ministère. Afin d'accomplir les bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Seigneur, je t'en supplie, fais-les ici, à Massy Palaiso, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, afin que tous ensemble, que nous puissions prendre possession de cette ville et des villes environnantes, afin d'impacter cette ville, d'imposer la domination de Christ ici, à Massy Palaiso. Et que les âmes reviennent à toi. Des âmes passent des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pour cela que nous venons à toi aujourd'hui. Et nous te disons, rébaptise-nous. Rébaptise, rébaptise-nous. Amène-nous de gloire en gloire. Transforme-nous à ton image. Oh. Taille-nous, Seigneur, conformément à l'appel. Taille-nous conformément à l'appel. Viens humilier ce qu'il y a à humilier. Humilie la chair, humilie l'âme. Parce que nous voulons que notre esprit prenne son envol. Son envol comme des aigles. Parce que dans cette saison, nous devons opérer à la dimension des aigles, à la dimension de Christ le rocher, à la dimension des hommes et des femmes. Oh, qui opère sur la terre, le ciel ouvert. C'est pour cela que nous te demandons. C'est pour cela aujourd'hui nous te supplions. Rébaptise, rébaptise-nous. Regarde mon frère qui a tant crié. Regarde ma soeur qui a soupiré. Nous avons longtemps soupiré. Nous avons longtemps crié. Non, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, demeurer sur place. Rester sur place, en tourner en rond. Aujourd'hui, nous décidons, Seigneur, de pouvoir franchir avec toi, parce que nous savons que tu es un franchisseur de barrières. Alors tu es devant nous, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, et nous sommes derrière toi, et ta houlette et ton bâton nous rassurent. Avec toi nous franchissons des barrières, avec toi nous franchissons des barrières, avec toi nous franchissons des barrières. Rébaptise-moi. Est-ce que tu peux acclamer, acclame, acclame? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous croyons que tu es au-dessus de tout, Jésus, Jésus.
exaltée. Oh, tu es au-dessus de tout, au-dessus des circonstances de nos vies, au-dessus de tout. La priorité de nos vies, Jésus, c'est toi. Oh oui, c'est toi, Jésus, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. Quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir. Quelle grâce de savoir que tu es, Jésus, l'amour de nos vies. Oh, Baba Shakabaya, oh oui, Seigneur, merci pour ce moment passé ici. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour ton esprit, Saint-Esprit des dieux, qui nous a assistés. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci parce que tu as déversé ta sagesse, ton intelligence. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'aimer. Quelle grâce d'être là, de te servir. Quelle grâce de pouvoir avancer avec toi pour voir ce pays, merci par les eaux et les villes environnantes, soit gagné à Christ, afin que une méga church sorte des terres de merci par les eaux. C'est pour cela nous disons, Jésus, tu es élevé, nous élevons l'étendard, plus haut Jésus, tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout, et bien la Rochaya. Quelle grâce de ta part t'aimer, Jésus. Oh oui, Jésus. Ah, il y a des beaux chagrins. Oh, qui est comme toi. Merci, Seigneur, pour nos vies que tu bâtis ici, à Massy, par les eaux. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur que tu as conduit ici, dans ta maison. Tous ensemble, nous avançons avec humilité et douceur. Tous ensemble, nous avançons avec patience. Tous ensemble, nous avançons avec amour. Tous ensemble, nous avançons dans la paix. Et nous allons voir la gloire de Dieu manifeste au sein des ténèbres. Ici, en Massy, par les eaux. Merci, Jésus. Dans nos demeures respectives, dans ta
présence. Oh Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Que nous soyons protégés, préservés tout au long de cette année. Que ta main demeure étendue sur nous. Parce que nous avons décidé de te servir, alors nous allons voir la gloire des dieux manifeste dans nos vies. Nous te bénissons, nous te célébrons. Alors que nous clôturons ce temps, que ton sang, Seigneur, parle. Parle, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux. Nos vies sont cachées avec toi, Christ, en Dieu. Nous t'élévons, nous te célébrons. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Notre Dieu. Accorde-moi la grâce d'être localisé par toi. Oh, aujourd'hui, cet après-midi, viens localiser ma soeur. Viens localiser mon frère. Viens localiser un jeune qui est à soif de toi. Viens localiser un jeune qui te cherche ardemment. Viens localiser un jeune qui te désire ardemment. Aïe, 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 est-ce que tu peux lever la voix pour demander à ton Dieu de te localiser? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à lui et à lui seul? Nul ne régnera sur le trône de mon cœur. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face.
Ah, parce que je reconnais que tu es le seul Dieu véritable. Ah, et la vie éternelle, ma vie, c'est pour toi. Je donne ma vie, je te laisse contrôler tout ce qui me concerne. Sois le seul à dominer, ô Saint-Esprit. Viens régner dans nos vies, viens régner dans la vie d'un jeune. Viens régner dans la vie d'un jeune aujourd'hui. Règne, Akabaya Deboche, toi qui m'as mis à part, toi qui m'as sanctifié, tu m'as sanctifié pour que je puisse te servir. Tu m'as mis à part. Akabaya Deboche, toi qui me connaissais avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Ah, tu me connaissais déjà, tu m'as mis à part pour te servir, pour accomplir les bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Accorde-moi la grâce de le savoir. Non, je ne veux pas être amnésique. Non, je ne veux pas être amnésique, non. Accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie de me souvenir que tu as payé un prix fort pour que je sois sauvé. Ah non, je ne suis plus, je ne suis plus Seigneur comme j'étais avant. Je suis une nouvelle création parce que j'étais accepté. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Accordez-moi la grâce de prendre conscience. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart. Donnez-moi à t'aimer. C'est une déclaration d'amour. Accalé Boshaya, je veux le dire, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Dieu, mon roi, je t'aime. Mon maître, je t'aime. Oh ma vie, ma justice, ma paix, ma joie, je t'aime. Oh, tu es ma justice. Oh, tu es ma paix. Oh, tu es ma joie. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce qu'un jeune peut déclarer sa flamme à son Dieu? Oh, je t'aime. Je ne t'entends pas crier. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire je t'aime? Je t'aime, je t'aime. Ah, est-ce qu'un jeune peut lever la voix pour dire je t'aime, je t'aime. Oh, tu es ma vie, tu es. Oh, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. C'est pour cela aujourd'hui, je te dis je t'aime. Rien ne sera au-dessus de toi. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera. Oh, Yadébocha, Yadébocha. Ah, les situations, les conditions ne me sépareront jamais. Tous les jours, je te dirai, oh, j'ai caillé des bouches, je me conjuguerai tous les jours de ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh Seigneur, je le dis, je dis, je t'aime. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Ah, parce que toi qui m'as mis à part pour toi, à toi qui m'as choisi, avant même la fondation du monde, oh, tu m'as prédestiné dans ton amour à être un enfant d'adoption. Ah, toi qui m'as appelé des ténèbres à ton admirable lumière, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer? C'est pour cela aujourd'hui, je te dis, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Oh, tu es ma joie. Oh, tu es ma paix. Oh, tu es ma justice.
Je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, je te laisse quelques minutes pour élever la voix maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Dis-lui que tu l'aimes. Est-ce que tu peux lever la voix? Parce que je veux t'entendre prier. Exprimer les mots d'amour. Exprimer ta flamme. Exprimer ton amour à ton Dieu. À lui qui a payé le prix pour toi. Lui qui t'a aimé le premier. Aïe, un débauché, débat. Oh, débat. Ne sois pas amnésique. Et ne reste pas silencieux devant ton Dieu. Devant ton époux qui est là. Un débauché, débat. Aïe, un débauché. L'amour. Tu dois arroser cet amour. Tous les jours, tu dois entretenir cette flamme. Tous les jours, tu dois continuer à lui dire. Tu dois lui dire. On ne se lasse pas de dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime. On ne se lasse pas de le dire. Tous les jours, tu dois lui dire. Parce qu'il est de Boshaya. Parce qu'il nous a aimé le premier. Tous les jours, nous devons exprimer. L'amour est une décision. L'amour n'est pas des émotions. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Tu dois décider de lui dire tous les jours que tu l'aimes. Oh, je dis je t'aime. Je t'aime. Mon Dieu, mon roi. Mon maître, mon tout, ma vie, ah, le rocher de mon salut, le bouclier de ma foi. Akadébosh, qui est comme toi, mon Dieu, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Ah, aujourd'hui, nous voulons te dire, nous voulons t'annoncer, nous voulons proclamer. Ici à Massy, par les oins, je ne veux te dire, il le dit pas. Avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, avec la sincérité du cœur. Ah non, cet amour ne se refroidira pas. Là, il y a des roches, même si cet amour se refroidit dans le dernier temps. Mais nous avons décidé de faire partie du reste, de faire partie des peuples des dieux, les élus des dieux, l'épouse de Christ, qui se bat afin de conserver cet amour, que cet amour, cette flamme ne s'éteigne jamais. Parce qu'au jour où tu reviendras, oh, tu nous trouveras par ta grâce à venir te rencontrer et afin de pouvoir rentrer dans la joie de notre serviteur, de notre maître, la joie du maître, comme un bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Je t'aime, oh, je t'aime. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser des cris? Merci Seigneur, merci pour ce moment. Nous te recommandons la suite entre tes saintes mains. Merci pour mon frère, ma soeur, que tu as conduit dans ta maison. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette maison, Impact Centre Chrétien. Merci pour nos pères. Merci pour Pasteur Ivan. Merci pour Pasteur Yves. Merci Seigneur pour Maman Maud, pour Maman Abby. Merci pour Pasteur André qui chapeaute le ministère de jeunes d'impact. Nous voulons te dire merci. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous a attirés du ténèbres à son habit de lumière? À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces et révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Parce que, Seigneur, tu veux intervenir. C'est la pureté du cœur. C'est l'état du cœur qui bloque ton intervention. Accordez-nous la grâce, Seigneur, de rechercher la pureté du cœur. Donnez-nous ce cœur pur. Parce que tu veux révéler. Tu veux donner la révélation. Tu veux paraître dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Tu veux paraître. C'est pour cela aujourd'hui. Seigneur, donne-nous le cœur pur, parce que tu as dit, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Accorde-nous la grâce de pouvoir laver nos vêtements. Nous voulons des vêtements blancs, c'est pour cela que nous disons blanc, 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 blanc. Ah, il y a des bochers qui m'abababababochés. Nous voulons porter des vêtements blancs, des vêtements lavés dans le sang de Jésus. Afin de pouvoir prendre les vêtements de gloire, rayonner, Seigneur, là où tu as prévu, briller, Seigneur, et afin que notre lumière luise devant Dieu et devant les hommes. Mais ça commence à purifier l'état du cœur, à purifier, purifie nos cœurs blancs. Aïe, de bocheke, ba, bocheke. Oh Seigneur, je t'en supplie. Aïe, et de bocheke, Lavez dans le sang. Aïe, de bocheke, encore le dire, aujourd'hui tout doit partir, tout doit disparaître, tout doit disparaître. N'accepte pas de sortir de ces lieux. Il y a des bouchers avec chargé, viens décharger, décharger tout au pied du maître, décharger tout au pied du maître. Il est là, il a dit vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous apporterai, je vous donnerai le repos. Il est dans la barque de ta vie, Jésus le Christ. Il est dans la barque de ta vie. Aujourd'hui, Ataya, il veut te donner le repos. Il veut te donner le repos. Il veut te donner le repos. Jésus est dans la barque de ta vie. Bien-aimé, tu as trop lutté. Tu as beaucoup lutté tout seul. Tu as lutté longtemps. L'ennemi, t'as envoyé des voix pour que tu puisses te dire, pour te dire que ça va aller. Ce n'est pas grave de désobéir. Mais n'oublie pas, bien-aimé, les peuples d'Israël ont tourné dans le désert à cause de la désobéissance. Ils ont tous péri dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer. Il n'y a que les personnes qui étaient disposées. Il n'y avait que la génération de Josué. Josué et Caleb, cette génération-là, ils ont décidé d'obéir à leur Dieu. Nous aussi, Seigneur, donne-nous à être cette génération des Josué de temps moderne. Nous sommes des Josué de temps moderne. Oh, ceux des hommes et des femmes qui décident de faire la guerre à la chair, la guerre au monde, la guerre à Satan. Parce que nous sommes désireux, nous voulons rentrer dans notre Canaan. Nous voulons conquérir les sept royaumes, les sept sphères, afin de terrasser les géants qui sont assis sur notre territoire, dans notre héritage. C'est pour cela que nous nous purifions. C'est pour
cela, nous laissons la place à notre Dieu, oh à notre Seigneur Jésus, afin que Christ le rocher puisse inspirer chaque chose. Parce que le rocher, Christ le rocher ne peut pas t'inspirer, ne peut pas te donner des révélations si tu n'as pas un cœur pur. Sans le cœur pur, nul ne peut le voir. Nous voulons nous cacher en Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer mieux que ça? Lavé par le sang de l'agneau. Oh oui, lavé. Oh de l'agneau. Je serai plus grand que l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux toucher des cuits de tous les corps? La parole de Dieu dit dans Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Il a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça sera ton partage bien-aimé dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu cours comme un départ. Tu as la vitesse du départ. Tu accélères, Dieu accélère dans ta vie. Amen. L'accélération divine. Amen. Il n'y a plus rien qui peut te retenir. Amen. Parce que tu as compris que dans le désert,
il faut passer le test et réussir le test. Est-ce que tu peux acclamer les choses? Je veux chanter au camp des rochers. Je veux chanter pour célébrer notre roi. Je veux chanter pour élever Jésus le Christ. Je vais chanter pour célébrer notre roi. Il est le maître de nos vies, Jésus. C'est lui qui nous a délivrés, ô Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés, ô Jésus. Tu nous as tirés de la fosse, là où nous étions perdus autrefois. Nous étions morts autrefois. Tu nous as transportés dans ton royaume. Tu nous as délivrés des puissances de ténèbres. Tu nous as transportés dans ton royaume. C'est pour cela aujourd'hui je veux chanter à la louange de ton Seigneur, les merveilles de notre Dieu, ce que tu as accompli dans nos vies. Ô Seigneur, ce soir nous te bénissons, nous t'élévons. Et c'est pour cela nous disons que tu es digne, oh oui, d'être loué. Oh, tu es digne, oh oui, d'être loué. Oh oui, tu es digne, oh tu es digne d'être loué, de recevoir notre admiration et digne. De recevoir notre célébration, te loue. De recevoir notre adoration, tu es digne. De recevoir notre dévotion, te loue. Tu es digne. D'être levé en majesté, te loue. Oh, tu es digne. Oh, mon roi, sois élevé, te loue. Oh mon roi, sois célébré, tu es digne. Oh mon roi, sois béni d'être loué. Oh mon roi, sois célébré, tu es digne. Oh mon roi, sois élevé d'être loué. Oh qui est comme toi, tu es digne. Oh qui est comme moi d'être loué. Toi qui nous as délivrés, Seigneur, tu es digne. Oh, tu as payé par ton sang précieux. Oh, Kandabra Kayanda, tu es digne. Tu t'es humilié pour tes loups. Tu t'es dépouillé de ta divinité et digne. Tu as pris l'apparence de saint homme d'être loup. Oh, Kandabra Shakaba, tu es digne. Tu es devenu péché d'être loup. Pour qu'on devienne justice de Dieu, tu es digne. Oh, Kayande Boshakaba d'être loué. Oh, toi qui nous perfectionne, tu es digne. Toi qui nous affermis d'être loué. Oh, toi qui nous fortifie, tu es digne. Toi qui nous rend inébranlable d'être loué. Quelle grâce de t'appartenir, tu es digne. Quelle grâce d'être célébré, d'être loué. Quelle grâce d'être acclamé, tu es digne. Oh, nous t'acclamons, être loué. Oh, sois célébré, mon roi, tu es digne. Oh, sois élevé en majesté, loué. Le vivant, manifeste ta gloire. Nous vivons, manifester ta gloire, nos vivons, manifester ta gloire, nos vivons, manifester ta gloire, nous demeurons. Inébranlable, nous demeurons. Inébranlable, nous demeurons.
il n'est pas là. Nous demeurons, il n'est pas là. En cette saison, nous demeurons. En cette saison, il n'est pas là. En Christ Jésus, nous demeurons. Nous sommes assis avec toi. Oh oui, nous demeurons. Oh oui, il n'est pas là. Oh oui, oui, nous demeurons. À toi qui nous perfectionne là. À toi qui nous affermis, nous demeurons. À toi qui nous fortifie, il n'est pas là. Oh Seigneur Jésus, nous demeurons, il n'est pas là. Oh oui, nous demeurons, nous demeurons. Oh, quels que soient les assauts de l'ennemi. Oh, ils ont dit que le coronavirus revient. Mais nous demeurons, il n'est pas là. Oh, ils ont dit la crise financière est là. Mais nous, nous demeurons inébranlables. Ils ont dit que le chômage frappe à la porte. Et nous, nous demeurons inébranlables. Ils ont dit que la maladie envahit. Et nous demeurons inébranlables. Quelle que soit l'infirmité, nous demeurons. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la crise financière, demeurons. Quelle que soit le chômage, inébranlable. Quelle que soit tout ce qui peut se passer. Quelle que soit les mauvaises nouvelles. Quelle que soit les mauvaises nouvelles, demeurons. En Christ, nous sommes inébranlables. En Christ, nous sommes assis. Nous sommes assis avec Christ, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, les bras là, au-dessus des principautés, nous demeurons, au-dessus d'esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, c'est pour cela aujourd'hui je veux célébrer mon roi. C'est lui qui nous rend inébranlables, c'est lui qui nous fortifie, oh oui, c'est lui qui nous perfectionne, demeurons, c'est lui qui jour après jour nous affermit, il s'appelle Jésus le Christ, il s'appelle l'amour de ma vie, il s'appelle le berger de nos âmes. Il s'appelle le rocher de mon salut. Il s'appelle notre vie. Christ, Christ est ma vie. N'est pas là. Christ, Christ est ma vie. Demeurons. Ô Seigneur, nous demeurons inébranlables. Dans cette saison particulière, quels que soient les assauts de l'ennemi. Mais nous ne bougeons pas, nous restons sur place. Nous restons debout, droit, nous montons. Nous restons assis dans la position céleste. L'ennemi ne pourra pas nous sortir de là. L'ennemi ne pourra pas nous toucher. Parce qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble ou est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Bien-aimé, es-tu prêt à tout vendre pour lui ? Es-tu prêt à jeter ton or, l'or d'Ophir? Es-tu prêt à jeter tes couronnes, tes victoires à ses pieds pour gagner Christ
connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est lui que nous désirons. Rien sur la terre peut nous séparer de l'amour de Christ. Accorde-nous la grâce que tu sois l'essentiel de nos vies. Que tu sois la priorité de nos vies. Sois l'essentiel dans notre quotidien, ô Christ. Il a continué, Jésus, le royaume des cieux, verset 45, ressemble encore à un marchand qui cherche des belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'achète. Bien-aimé, es-tu prêt à tout vendre? Pour lui? Nouvelle saison, nous n'avons pas le choix. Cherche-le. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. Il est palpable. Il est présent. Il est présent. Alors aspire à demeurer dans ses bras. Comme a dit le psalmiste, oh, je passerai tout le reste de ma vie dans ta maison, dans tes bras d'amour. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans tes bras. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ici en massif par les eaux. Seigneur, de développer le cœur d'adorateur. Dans tes bras. Que mon frère, ma soeur, développe le cœur d'adorateur. Grâce, Seigneur, d'être nombreux à te chercher véritablement. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, une armée d'adorateurs, d'adoratrices de Christ, qui demeure dans ses bras. Ah. Je veux demeurer dans tes bras tous les jours de nos vies. Accorde-nous la grâce de demeurer dans tes bras. Ayant de vos tout près de toi. Contre ton cœur. C'est là que je veux demeurer. Tout près de toi. C'est là que je veux demeurer. Contre ton cœur. C'est là que je veux habiter. Près de toi. Ah, je veux demeurer dans ta présence. Quand tu demeures dans ta présence, alors la crainte dans sa présence, la crainte s'enfuit. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus de voix négative qui parle contre toi. Parce que la voix de la paix, la voix de l'amour, la voix de ton Dieu te parle constamment, te dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je te donne la mission, aller et gagner les âmes, je te donne la mission, aller et répandre la bonne parole du royaume.
et tu entendras la voix de paix, la voix de joie, la voix qui te donne l'assurance. Il n'y aura plus de voix négatives qui te combattront. Parce que dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas rester. L'ennemi ne peut pas résister. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors demeure, demeure dans sa présence. Tout près, tout près. Tout près de toi. Approchons-nous encore plus près de lui. Approchons-nous encore plus près de lui. Plus près de toi, Seigneur, dans tes bras d'amour. Aïe, des broches, dans tes bras d'amour. Aïe, des broches, qui aïe, des broches, qui dans tes bras d'amour. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer, acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un adorateur peut demeurer, demeurer dans ses bras d'amour? Bien-aimé, cherche-le. Cherche-le véritablement. Si tu veux être transformé, alors démange la soif. Parce que notre Dieu, il répond à la soif. Tu ne peux pas recevoir la gloire qui est arrivée. Cette gloire qui a atterri. Nous disons tous, waouh, c'est glorieux. Le vin nouveau est arrivé. Mais bien-aimé, tu dois changer tes outres. Parce que le vin nouveau, dans les vieilles outres, va changer le goût. Va changer. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Alors dispose-toi à avoir soif de lui. Dispose-toi, parce que la dimension qui arrive, c'est une dimension encore plus supérieure. Où nous ferons des exploits avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, change ta disposition du cœur. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Changer de vitesse, augmenter de vitesse, mettre de l'accélération, parce que Yenevosh, tous les jours de nos vies, il nous emmène de gloire en gloire, la gloire d'hier, merci pour la gloire d'hier, mais nous décidons, nous voulons une nouvelle gloire, parce que tu nous conduis de gloire en gloire, de gloire en gloire. Aïe, aïe, roche et nevaille. Et nous allons de profondeur en profondeur, de largeur en largeur, de longueur en longueur, de hauteur en hauteur. Alors tous les jours tu as besoin de lui, tu as besoin de lui. Oh bien-aimé, ne reste pas sur place, ne reste pas sur place. Tu dois être en mouvement. Tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à progresser. C'est pour cela tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Tous les jours, c'est un nouveau commencement. Tous les jours, aïe, Nebosh, parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau commencement. Parce qu'il veut bâtir, il bâtit son œuvre à travers toi, à travers moi. Et il y a des roches. C'est
Pour cela, aujourd'hui, tous ensemble, dans cette église en prière, nous élevons la voix pour dire nous voulons commencer. Alors nous ne pouvons pas commencer sans toi. C'est pour cela, Seigneur, nous t'accueillons. Les Saint-Esprit, Esprit de Dieu souverain, toi qui fais toutes les choses à merveille, l'Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Viens conduire ce moment, viens asseoir ta parole, viens asseoir Yenevoshaya, le Réma, parce que Seigneur, à la lumière de ta parole, que nous pouvons avancer et que nous pouvons faire des exploits avec toi. Tu as dit, ce n'est ton peuple qui te connaîtront. Et Yanabashaya, agirons avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté. Ici à Matsi, par les eaux. Nous voulons avancer avec la force du Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons. C'est pour cela, nous t'implorons. C'est pour cela, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, nous avons besoin de ta force, de ta puissance. Envoie ta puissance sur nous. Oh, ici à Massy, cet après-midi, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de ton conseil. Nous avons besoin de ta gloire. L'éclat de ta gloire. Le poids de ta gloire. Descends sur nous ici. Amassi par les eaux. Et débauchez babababosha. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois toi, nous sommes comme de la paille qui se dissipe. Bien de vos chèques, bien de vos braillards. Envoie. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire envoie ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force ici à Massy, afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi, afin de venir brûler, afin de venir consumer toute paresse, toute mollesse, tout assoupissement, rien de vos chayas, toute négligence, rien qu'un de vos chayas. Doit être anéanti, doit être réduit en néant, parce que nous voulons l'excellence, nous voulons la discipline, nous voulons la diligence. C'est pour cela, c'est toi qui es l'esprit qui nous ramène l'excellence, la diligence, la discipline. Viens qu'à l'évocher, et baba, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas à ce niveau. Non, nous ne pouvons pas opérer à ce niveau. Plus de ton discernement, plus de discipline, plus
plus de diligence. Oh, nous voulons plus. Ici à Massif, à les eaux, nous voulons plus. Nous voulons plus. Aïe, allez, vos chandards, ne nous laisse pas ce niveau. Ne nous laisse pas ce niveau. Nous voulons plus. Aïe, allez, vos chandards, en ce mois de juin, nous voulons plus. Plus de ton amour. Plus de ton amour. Plus de ton assistance, plus de la dépendance au Saint-Esprit. Nous voulons plus, et y'a des beaux chants d'Ababa. Nous voulons plus, et des beaux chants. Aïe, des bâtons, et des bâtons. Élevez la voix longue, élevez la voix longue. Je vais t'entendre prier. Élevez la voix longue. Et y'a des bâtons, et des bâtons. Nous voulons ici à Massy. Ici y a pas les eaux dans les villes environnantes. Nous voulons et nous voulons plus. Ah, y a des beaux chats. Nous voulons plus. Plus de toi Seigneur. Plus de ton amour. Plus de ton assistance. Plus de la discipline. Plus de la diligence. Ah, y a des beaux chats des babas. Ah, y a des beaux chats des babas. Seigneur, nous ne pouvons pas avancer sans toi. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Oh, nous voulons dans nos vies, dans nos familles, dans notre vie professionnelle. Aïe, à débaucher, Kebaba. Seigneur, nous devons briller. Seigneur, tu as dit, lève-toi, brille. Car ta lumière est arrivée. Nous voulons voir que ta lumière, que ta gloire soit palpable, que ta gloire soit touchable, que ta gloire soit tangible dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons pas baisser la garde. Nous voulons pas relâcher, lâcher la pression. Aïe, allez, vos chayas. Nous voulons, nous voulons. Aïe, allez, vos chers. Élève la voix pour dire. Élève la voix pour dire. Est-ce que tu peux te tenir debout? Si tu peux, tu te tiens debout. Afin de pouvoir crier à lui. Afin de pouvoir le supplier. Aïe, allez, vos chers. C'est une supplication. C'est une supplication. Aïe, allez. En ce mois de juin, ah, viens nous déborder, viens déborder, viens déborder. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Viens remplir, remplir de toi, jusqu'à la plénitude de ton esprit. Viens nous remplir, viens nous saisir, viens nous revêtir, viens nous remplir. Viens nous conduire, viens nous revêtir. Saisis-toi de nous, Seigneur. Ici à Massy, aïe, y'a de vos chèvres, et de vos chèvres, à vos chèvres, et de. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux crier à lui? Je ne t'entends pas crier. Oh, ici à Massy, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Parce que nous voulons plus. Plus de ta joie. Plus de ta paix. Plus de ton amour. Plus de ton assistance. Plus de ton assistance. Plus de persévérance. Parce que nous voulons percuter. Nous voulons faire. Aïe, allez, bouchez des bas. Nous voulons franchir. Franchir les portes. Nous voulons franchir. Aïe, allez, bouchez des bas. Crée-toi un chemin dans nos vies. Nous voulons plus. Tu es venu pour enfanter. Tu es venu aujourd'hui pour enfanter une victoire. Tu es venu pour enfanter une victoire. Le Seigneur, le Seigneur aujourd'hui veut te donner la victoire. Il veut te donner la victoire. Tu connais le combat. Tu es en train de combattre. J'ai entendu, aujourd'hui c'est l'enfantement. Amen. Aujourd'hui c'est l'enfantement. Aïe,
Kadevosha. Vous avez entendu le Père hier. Il a parlé, il a dit, il faut frapper, 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 jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et j'ai entendu ce matin, il a dit, l'enfant demain. Alors nous allons rentrer dans la salle de travail. Est-ce que quelqu'un est prêt de rentrer dans la salle de travail? Est-ce que quelqu'un est prêt de rentrer dans la salle de travail? Afin de pouvoir enfanter, enfanter ta destinée, enfanter les projets de paix, non de malheur, ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour cela nous disons, nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons aujourd'hui, aujourd'hui, oh, nous venons enfanter. Non, je ne sortirai pas de ces lieux si je n'enfante pas. Je conçois l'enfantement dans le monde spirituel et ça va arriver à manifestation. Aujourd'hui, je viens pour les projets enfantés, pour que ça devienne manifeste. C'est pour cela que nous sommes venus ici en ce mois de juin, en ce mois. Le mois de surplus, le mois du surplus, où nous voulons le débordement, où nous voulons le déferlement, où nous voulons l'étreinte du Saint-Esprit. Aïe, un débauche, c'est pour cela que nous sommes là pour combattre, nous sommes là pour plaider. Il a dit, réveille ma mémoire, alors plaidons, réveille ma mémoire. Oh, bien-aimé, si tu ne plaides pas, tu ne pourras pas enfanter, si tu ne plaides pas, tu ne pourras alors tu n'es pas venu pour chanter, tu es venu pour plaider, tu es venu pour parler, tu es venu pour parler avec la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui amène à manifestation. Aïe, de vos chénébars, tu es là pour enfanter les projets de Dieu. Oh, tu as trop attendu dans le désert. Oh, aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que ces projets arrivent en manifestation. Alors ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Et il y a des bouchers. Il y a des bouchers. Alors élève la voix. Élève la voix. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Oh, tu connais les domaines. Le domaine où tu veux voir l'enfantement. Le domaine là où tu veux enfanter les projets de paix, non de malheur. Les projets qui nous procurent le bonheur et l'espérance. Aïe, des rochers, élève la voix, élève la voix. Crie à lui aujourd'hui. Aïe, des boshaya, crie à lui. Tu es plus là, il est là. Oh, il est là. Il est là pour y aller, boshaya. Il est là pour t'aider à pousser. Il est là pour t'aider à pousser. Il est là pour t'aider à pousser. À pousser, à pousser, et débauche, afin que ce bébé, le fruit de ton entraille, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, puisse sortir, puisse voir le jour. C'est pour cela il est venu t'assister, il est venu t'assister, il est pour que tu puisses pousser, parce que c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler. Ton monde est façonné par tes paroles. Ton monde est façonné par ta parole. La parole. Que veux-tu enfanter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux voir? Amener à manifestation. Oh, il y a des bouches. Oh, nous voulons enfanter la salle. Nous voulons enfanter la salle. La salle de massif par les eaux. La salle de l'église, il se serait massif par les eaux. Aïe, André Boshaya. Bien ça, ouais. Nous ramenons cela en manifestation. Afin que, Seigneur, ton peuple soit nourri. Que ton peuple se rassasie. Que ton peuple puisse être propulsé dans leur destinée. C'est pour cela que nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous ne voulons pas nous contenter de cette salle. Nous voulons une grande salle. Une grande salle. Une salle. Aïe, allez, vos chats. Nous voulons ton temple ici à Massive. Afin que, Seigneur, ton royaume puisse se répandre avec efficacité. Hey, allez, vos chats. Parce que nous voulons voir les nations révélées à toi. Nous voulons voir les nations revenir à toi. Oh,
C'est pour cela que je ne m'arrêterai pas de parler. Je n'arrêterai pas de parler. Oh, je dirai. Nous voulons plus. Oh, ici, Ambassy. Oh, nous voulons. Oh, il y a des bouchers. Et quand des bouchers, je n'arrêterai pas. Je vais faire comme Jacob. Oh, il a dit non. Non, Jacob a dit. Non, je ne te laisserai pas partir tant que tu n'as pas prononcé des paroles de bénédiction, tant que tu n'as pas donné la révélation, tant que tu n'as pas donné l'orientation spirituelle. Aïe, où jeter le filet, tant que tu n'as pas donné l'orientation, tant que tu n'as pas dit jette là. Non, je ne te laisserai pas partir. Aïe, les mots gênés. Oh, nous voulons. Ici à Massy, nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu manifeste. Aïe, de Boschana, Baba, Boschie, Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 62. Si tu commences, tu parcours ce chapitre, tu vas voir comment Dieu veut tout faire. Il veut t'aider pour que tu puisses enfanter. Dieu, il veut tout faire. Il veut t'aider. Il vient à ton secours. Il te donne des clés. Il te dit l'effort, tout l'effort qu'il fait pour que tu enfantes. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Lui, il est d'accord. Il a dit, j'ai dit oui et amen. Je veux que tu enfantes. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ah, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Oh, les rois de la terre verront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. La dernière fois, nous avons supplié, nous avons dit, Seigneur, baptise, rebaptise-moi. Oh Seigneur, que cette parole se manifeste aujourd'hui. Que ma sœur, que mon frère puisse recevoir un nom nouveau. Amen. Afin d'opérer dans son couloir. Amen. Il a dit, on t'appellera d'un nom nouveau. Amen. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante. Amen. Dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Il a dit dans verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Oh. Quand il parle de la terre, il parle de tout. Il parle de ton corps. Il parle de le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles. Il parle le fruit de ton troupeau, tout ce qui te concerne. Il parle. Il a dit on ne te nommera plus la délaissée. Oh non. Mais c'est marqué, mais on t'appellera mon plaisir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, y a de vos chaînes de bas. On t'appellera mon plaisir. Mon plaisir. Mon plaisir. Parce que tu vis pour son plaisir. Quand les gens t'observent, tu regardes soudain. Oh, ils ont envie de servir le Seigneur. Ils ont envie de pouvoir faire comme toi. Parce que tu représentes le plaisir. Il a dit, on te nommera mon plaisir. Mon plaisir. Tu feras la joie de ton Père. Tu feras la joie de ton Seigneur. Tu feras la joie des personnes qui t'environnent.
Tu verras de l'Éternel ses délices, tes délices. Aïe, des broches. Il a dit, écoute bien cette parole. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Aïe, des broches. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. On appellera ta terre épouse. Épouse veut dire quoi? Épouse, ça veut dire prendre la forme de. Wow. Prendre la forme de. À l'intérieur de toi, qui est là, qui règne? Christ. Ça veut dire tout en toi, tout ce qui te concerne, prend la forme de Christ. Alors Christ, Christ prend la forme. Et oh, que Christ soit pleinement formé dans ta vie. Que Christ soit pleinement formé dans ta vie. L'heure est arrivée que tout ce qui nous concerne puisse prendre la forme de Christ. Aïe, débauche. La nature est la ressemblance de Christ. Aïe, débauche. C'est ça qu'on appelle épouse. On l'appellera. On appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame ton Dieu. C'est ce qu'il veut dans ta vie. C'est ce qu'il désire dans ta vie. Il a dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne me tairai point. Alors le Seigneur ne veut pas se taire. Tous les jours, il va. Tous les jours, il t'envoie des paroles. Il t'envoie des paroles d'encouragement. Tous les jours, il parle à travers la bouche de Pasteur Ivan, à travers la bouche de Pasteur Yves, à travers la bouche de notre serviteur, à travers la bouche de tous les serviteurs. Aïe, à des bouches de Dieu. Et qu'à des bouches, afin que tu puisses prendre conscience ce qu'il veut que tu fasses. C'est que tu veux que tu deviennes épouse. Prendre la forme de Christ. Que tout ce que tu fais soit plus grand que ce que Dieu annonce dans sa parole. Aïe, alors, bien-aimé, il a dit, verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi, tes fils s'uniront à toi. Tout cela veut dire le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau vont faire comme toi. D'autres versions disent feront pareil que toi. Donc ça veut dire que Dieu est en train de garantir ta progéniture. Aïe, les roches. Il dit qu'il y a une ligne. Qui vont servir, une lignée qui servira le Seigneur. C'est pour cela, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous manifesterons la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit dans cette parole, il a dit tes enfants, il y a des bouches. Il a dit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons vivre. Nous vivrons pour son bon plaisir. Pour son bon plaisir, nous vivrons. Nous vivons. Oh, je vivrai pour son plaisir. Je vivrai pour son plaisir. Oh, je vivrai pour son plaisir. Oh, je vivrai pour son plaisir. Est-ce que tu peux dire je vivrai pour son plaisir? Ici à Massé, nous vivrons pour son plaisir. Oh oui, je vivrai. Tous les jours de ma vie, je vivrai pour son
Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire? Oh oui, je vivrai. Repasse ce chant à l'intérieur de toi, tu dis. Oh, tous les jours de ma vie, je vivrai. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Oh oui, je vivrai. Est-ce que tu peux me dire, je vivrai? Je m'engage à vivre pour. Je m'engage à marcher comme lui. Je m'engage à marcher comme lui. Que Christ soit pleinement formé en moi. Tout ce qui me concerne sera comme lui. Je ferai la joie de mon maître. Je ferai la joie de mon épouse. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Alors, bien-aimé, si tu continues cette parole, c'est pour cela qu'il a dit, je ne me tairai point. C'est important de comprendre pourquoi Dieu a dit « Je ne me tairai point ». Si tu lis verset 6, il a dit « sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alors cette parole dit quoi? Cette parole simplement est en train de dire. Ça veut dire que tu dois constamment intercéder. Tu dois constamment intercéder. Tu ne dois pas t'arrêter de parler. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu ne dois pas t'arrêter de supplier. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer dans la prière. Parce qu'il a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Bien-aimé, pour enfanter, tu dois parler. Pour enfanter, tu dois prier. Pour enfanter, tu dois supplier. Pour enfanter, tu dois persévérer. Persévérer dans la prière. Ne t'arrête pas de parler, parce que Dieu ne se tait pas. Dieu ne se tait pas. Il fait tout pour toi, pour enfanter. Alors bien-aimé, toi aussi, ne t'arrête pas. Il a dit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous, bien-aimé. Verset 7, il a dit, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Je vivrai. Oh, je vivrai. Oh oui, je vivrai. En ma vie, je vivrai. Oh, je proclamerai tes bontés. Oh, je n'arrêterai pas de supplier. Je n'arrêterai pas de prier. Ah. Je n'arrêterai pas d'intercéder. Oh. Je n'arrêterai pas de plaider. Oh. Oh oui, je vivrai. Oh oui, je vivrai. Ah, je raconterai les bontés de l'Éternel. Oh, je ferai de toi mes délices. Tous les jours de ma vie, je ferai de toi mes délices. Parce que je veux enfanter. Ah, je veux enfanter les projets de paix et non de malheur.
Je veux enfanter les projets de Dieu dans ma vie. Ce que tu as dit dans ma vie, ça se manifestera. Ce que tu as dit, je le verrai. Il a dit, par la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses. Bien-aimé, verset 8, il a dit, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Donc ça veut dire que depuis longtemps, tout ce que tu fais, ce n'est même pas toi qui profite de cela. Tu fournis un travail, mais ce sont les autres qui en profitent. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, c'est ça suffit. Est-ce que tu peux dire, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée aujourd'hui. Afin de pouvoir jouir du fruit de mes labeurs. Parce qu'il a dit, ici, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Alors, quand Dieu dit quelque chose, c'est ça qui va s'accomplir. Ça veut dire que tu vas devenir productif. Ça veut dire que l'efficacité, la productivité est ton partage. La productivité est ton partage. L'efficacité est ton partage. La diligence est ton partage. Fini la saison de la paresse, de la mollesse. C'est fini la saison de l'assoupissement. Parce qu'il a dit, si mon Dieu dit, je ne me tairai point, alors pourquoi moi je veux me taire? Tous les jours de ma vie, je proclamerai tes louanges. Tous les jours de ma vie, je parlerai à la montagne. Tous les jours de ma vie, j'intercéderai à... Je ne me tairai point. Ah, cette parole qui te dit, je ne me tairai point. Je refuse de fermer la bouche. Je refuse, à partir d'aujourd'hui, Il a dit jour et nuit, même la nuit, dans tes veilles, la nuit. Lève-toi, prie, lève-toi. Sois focalisé, sois déterminé, sois combatif, parce que tu es dans une salle de travail, tu es en train d'enfanter, tu es en train de pousser, alors le Saint-Esprit est là, il est en train de t'aider à pousser, afin de voir les projets de paix, non de malheur, arriver en manifestation. Ça se manifestera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ça se manifestera dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ton plaisir, oh, pour ton plaisir, oh oui, je vivrai. Pour ton plaisir, oh, je vivrai. Pour ton plaisir, j'accomplirai tes bontés. J'accomplirai les projets de paix dans les malheurs. J'accomplirai sur la terre toutes tes volontés. Toutes tes volontés comme David. Accordez-nous la grâce de prendre conscience que c'est ta volonté. C'est ta volonté que nous puissions accomplir ta volonté. C'est ce que tu désires ardemment, ô Seigneur. Alors accordez-nous la grâce d'être diligent. Accordez-nous la grâce d'être discipliné. Accordez-nous la grâce d'être discipliné. Discipliné en commençant par la prière. Discipliné pour la méditation de la parole. Discipliné pour accomplir, pour la mise en pratique de sa parole. Yaka de brocher des mailles. Oh oui, je vivrai pour ton plaisir. Je marcherai comme lui pour ton plaisir. Comme il a marché sur la terre, moi aussi je suis en terre. Pour ton plaisir. Je marcherai sur la terre comme mon grand frère. Pour
je ferai de lui les délices. Ah, parce qu'il a dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Alors je m'élève et je brille et je rayonne. Aïe, débauché des babaya. Amen. Bien-aimé, verset 9, il a dit, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Wow. Là, il est en train de dire, ma volonté est de pouvoir te bénir. Mais Dieu, quand il bénit, il envoie sa parole. Quand Dieu bénit, la parole de Dieu dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ça veut dire, tout est là. Dieu nous a tout donné. Il a tout mis sur la terre. Il a tout mis en nous. Il a tout enfoui. Alors, il a dit, sois diligent, travaille. Il a dit, ceux qui auront amassé. Amassé, ça veut dire, tu vas chercher. Là, on ne parle pas de planter. Ça veut dire que Dieu a déjà fait pousser les choses. Il a fait pousser. Dans la nature, il y a déjà les choses qui sont là, que Dieu a déjà pourvues. Il a tout donné. Il t'a tout donné. Il a tout enfoui à l'intérieur de nous. Il veut simplement que tu amasses. Il veut que tu amasses. Il veut que tu récoltes. Il veut que tu amasses. Ah, il y a des roches. Si tu comprends cette parole, Dieu est là. Il a fait pousser toutes choses. C'est dans la nature. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont diligents, qui font des recherches, ils travaillent, ils finissent par trouver. Ils trouvent des choses exceptionnelles et ils s'enrichissent, mais pour leur propre gloire. Mais toi, quand tu t'enrichis, c'est pour la gloire de Dieu. Alors il a dit, sois diligent. Si tu es diligent, si tu amasses, si tu travailles, si tu avances, étant donné que tu es l'enfant de Dieu, il va te donner une parole. Il va te donner une révélation. Il va te donner. Alors, jette le filet un peu à gauche. Pas tout à fait à droite, mais à cet endroit. Quand tu jetteras le filet, alors tu vas voir des poissons. Tu vas voir un stock de poissons. Des stocks de poissons qui vont venir. Que tu pourras amasser. Waouh! Sois diligent. L'apôtre Pierre était diligent. Avant que Jésus puisse lui dire, jette-la. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus, mais nous avons cherché toute la journée. Nous avons cherché. Ça veut dire que nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Il est là pour venir, il récompense. Ton Dieu ne te laissera pas. Il a dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisserai pas. Alors simplement avance, travaille, sois diligent, garde le cœur de Dieu, garde ce cœur, travaille, et tu vas voir comment le Seigneur va te révéler. Il va te donner l'orientation divine, il va te donner l'endroit où jeter le filet. Et tu amasseras. Oh oui, pour ton plaisir, je vivrai ton plaisir. Si tu vis pour le plaisir de ton maître, alors tu es propice à recevoir la révélation de Dieu. Tu es propice, tu es prêt à recevoir la révélation de Dieu. Alors tu dois vivre pour son plaisir. Tu dois vivre pour son plaisir. Travaille, sois diligent, avance. Ah, il y a des bouches, des babababouches. Mais garde ce cœur, vis pour son plaisir. Ah, il y a des bouches.
La parole de Dieu dit, les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont diligents. L'intelligence. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, dans Proverbe 12, verset 24, la main de diligent dominera. La main des nonchalants sera livrée à la corvée. Une autre version dit, sera tributaire. La version parole de vie dit, l'homme qui travaille dur finira par commander. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais il a dit, mais le paresseux finira esclave. Nous sommes de la race de Christ. Nous sommes de la race de Christ. Le fils de ce zoo, de ce monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme les fils, les enfants de ce monde. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lui qui a dit, je ne me tairai pas pour toi. Ça veut dire tous les jours, il t'envoie des paroles, il t'envoie des révélations. Tous les jours, il te parle. Tous les jours, il te parle. Qu'est-ce que tu fais avec ces paroles? Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu repasses en boucle? Parce que dans la parole des dieux, il y a des trésors, il y a des richesses. Est-ce que tu cherches jusqu'à trouver ce trésor? Oh bien, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu as dit, la main de diligent dominera. La main de nonchalant sera tributaire. Celui qui travaille dur finira par commander. La domination, c'est une influence. La domination, ce n'est pas une position. Ce n'est pas un titre. C'est une influence. Quel que soit là où tu influences. Tu influences. Alors dans cette génération, dans ta vie, oh, tu influenceras. Là où Dieu te positionne, là où Dieu te positionne, tu vas commencer à influencer parce que tu as décidé de pouvoir être diligent, parce que tu as décidé de pouvoir garder le cœur de Dieu. Alors tu influenceras. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, vous voyez, la diligence, c'est très important. Le Seigneur aujourd'hui veut simplement vient nous dire, en ce mois de juin, comme m'a dit Pasteur Ivan, n'arrête pas de frapper. N'arrête pas. Continue à faire. Sois diligent. Sois excellent. Que ce soit dans ta vie professionnelle. Continue, ne t'arrête pas. Parce que la saison arrive. La saison de la grande moisson arrive. Et les nations vont venir en masse te poser la question, comment tu as fait? Et là, tu rendras gloire à notre Dieu. Et tu rendras gloire. Et tu célébreras notre Dieu qui a débauché. Parce que nous nous réjouirons.
Nous nous réjouissons en espérance, nous donnons. Gloire, oh, oh oui, nous donnons gloire. Nous donnons gloire. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu et dire pour ce qui arrive dans ta vie, pour ce qui va manifester dans ta vie, parce que tu auras été diligent, parce que tu auras gardé sa parole, parce que tu auras obéi à ses commandements, alors tu donneras gloire à Dieu. La gloire de Dieu est là, la lumière est arrivée, alors tu brilleras. Aïe, débauché, débabababoché. Les nations viendront à toi. Oh oui, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Nous donnons. Oh oui, nous donnons gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux l'acclamer, donnant? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux l'acclamer? Élève la voix pour rendre grâce à Dieu. Élève la voix pour bénir le Seigneur. Élève la voix pour lui dire merci Seigneur. Merci pour cette dimension. Merci Seigneur qui arrive. Oh, je garderai l'espérance. Je garderai l'espérance. Je garderai l'espérance. Aïe, je continuerai à me battre. Je continuerai à avancer. Je continuerai à être diligent. Je continuerai à progresser dans ma vie. Parce que Seigneur, pour ce mois de juin, pour tout au long de ce mois de juin, oh, nous allons voir l'étreinte du Saint-Esprit. Nous allons voir la manifestation de ta gloire, la gloire manifestée. Nous allons le voir parce que nous avons décidé de pouvoir avancer, de faire comme Pierre. Aïe, Rebochaïa, tout au long de la journée, il a travaillé et Dieu est venu récompenser. Dieu est venu récompenser. Il est venu récompenser. Il est venu récompenser. Aïe, Rebochaïa. Aïe, il est venu récompenser. Bien-aimés, pour clôturer, la parole que Dieu donne dans Ésaïe 62, verset 10 jusqu'à verset 12. C'est pour te dire que Dieu récompense les efforts. Dieu récompense ta diligence. Dieu récompense le travail que tu fais. Il a dit dans Ésaïe 62, verset 10, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route aux délégués. Ça veut dire que il est en train de te dire, faites tout de manière qu'il y ait un plus grand nombre puisse venir entendre cette parole. Faites en sorte qu'il y ait plus d'âmes gagnées à Christ, plus de personnes évangélisées pour le Seigneur, pour connaître le Seigneur. Il a dit franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, balisez, travaillez afin de voir un plus grand nombre venir à Christ. Dans verset 11, il a dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre.
Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Ça veut dire, va proclamer la parole. Travaille. Travaille pour lui. Sois diligent pour lui. Ne t'arrête pas. Diligent dans ton travail. Diligent dans le service. Diligent. Ne sois pas négligent. Ne sois pas paresseux. Et elle dit, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Ça veut dire que quand Jésus arrive, quand Dieu arrive, quand le Saint-Esprit, le vent impétueux, arrive dans la place, il y a toujours un salaire qui est avec lui. Il y a toujours des rétributions qui le précèdent. Alors, Dieu récompense le travail que tu fais. Dieu récompense la diligence. Tu ne travailleras pas en vain. Dieu récompense. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Ça veut dire les peuples, les personnes que tu auras gagnées. Mais il a dit, mais toi, on t'appellera recherchée, ville non délaissée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça sera ton nom. On t'appellera recherchée, ville non délaissée. Ça veut dire recherchée. Ça veut dire toutes les nations vont te chercher. Tout le monde te cherchera pour trouver des solutions. Dans ton couloir, tu vas rayonner, tu vas briller, tu vas être une source de bénédiction. Tu seras recherché. Oh, tu ne seras pas délaissé. On ne t'appellera plus délaissé. Oh, mais tu t'appelleras recherché. Tel est ton nom aujourd'hui. Tu t'appelles recherché. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que les nations te chercheront. Parce qu'on te cherchera. On te cherchera pour apporter des solutions. Pour apporter des solutions. Partout là où tu es positionné, dans les couloirs de ta destinée, alors tu prieras, tu vas influencer. Tu vas. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est esclave. La main des dirigeants domine. Répète cette parole. La main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des dirigeants domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine. Est-ce que tu peux lever la voix pour parler? Il faut que tu repasses ce chant à l'intérieur de toi.
afin que tu prennes conscience que tu dois marcher avec diligence dans tout ce que tu fais. Oh oui, oh oui, la main des diligents domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des diligents domine, la main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine, la main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des diligents domine, la main des nonchalants est tributaire. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Tu as compris cette parole. C'est là où Dieu t'amène à la domination. C'est pour cela qu'il a envoyé ce moment, ce parole, afin que tu prennes conscience que la main des diligents dominera et la main des nonchalants sera tributaire. C'est lui, l'homme qui travaille dur, finira par commander. Le paresseux sera esclave. Si tu as compris cette parole, acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que ça sera notre partage de la diligence. Ici à Massy, nous ne travaillerons plus avec négligence. Nous ne ferons plus partie de gens qui marchent avec paresse. Mais nous marcherons avec diligence. Avec excellence. Comme nos pères, comme notre papa, imitons notre papa, pasteur Image. La diligence, l'excellence. Ah, il y a des bouches. Accordez-nous la grâce. Ah, accordez-nous la grâce d'être diligent. Accordez-nous la grâce d'être diligent, accordez-nous la ici à Massy, accordez-nous la grâce d'être diligent, accordez-nous la grâce. Oh oui, d'être excellent, en ce mois de juin, Seigneur, je t'en supplie, assois cette parole à l'intérieur de nous. Oh, excellent. Non, je ne veux pas être négligent. Non, je ne veux pas être paresseux. Non, non, je ne veux pas être nonchalant. Non. Ah. Oh oui, d'être diligent. Ah. Oh oui, d'être excellent. Oh oui, d'être diligent. Oh oui, d'être excellent. Un travailleur qui travaille activement, un serviteur qui travaille activement pour le royaume. C'est ce que nous manifesterons ici à Massy, parce que les nations viendront chercher des solutions chez nous. Aujourd'hui, tu nous as donné un nouveau nom, recherché. Alors nous sommes des recherchés. Les nations nous chercheront. Les nations chercheront des solutions divines chez nous, parce que nous nous attachons à Christ le rocher, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. Merci Seigneur, à toi qui fais toutes choses à merveille. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen à ce que tu as dit aujourd'hui. Amen. Amen aux paroles que tu as libérées. Amen. Parce que nous sortons de ces lieux grandis. Amen. Oh, tu as fait un shift dans notre système de pensée. Amen. Oh, la négligence ne sera plus notre partage. Amen. Mais la diligence sera notre partage. C'est pour cela que nous disons Amen.
Amen, amen. Si tu es d'accord avec cela, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame ton roi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? Ah, amen, amen, amen. Tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Aïe, le rocher. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit. Nous te bénissons, Père. Merci pour toutes les paroles qui ont été libérées. Ces paroles sont envoyées comme un javelot. Oh, ça ne reviendra pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Nous te bénissons, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Manifestez ton amour, manifesté encore aujourd'hui. Merci pour nos vies que tu as encore challengées, étirées encore aujourd'hui. Toi qui as envoyé ta parole, et la parole nous guérit. Nous sortons de là galvanisés. Nous sortons de là changer, métamorphoser et prêt à travailler pour voir le royaume des dieux manifesté ici à Massy Palaiso. Ah, merci Seigneur. Ah, Yandéroshaya. Nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Toi qui nous fais du bien. Tu avais dit ce matin, tu nous feras du bien. Tu me l'as dit et je l'ai annoncé. Je ne savais même pas à quel niveau tu allais nous faire du bien. Nous te bénissons pour cette parole que tu as envoyée. Merci pour ce temps de prière que tu as conduit. Merci Seigneur pour nos vies que tu transformes au quotidien. À toi qui fais toutes choses à merveille. Amen, amen. Parce que nous désirons rendre gloire à notre Dieu. C'est lui qui a conduit toutes les choses. C'est lui qui a envoyé sa parole. Et sa parole nous guérit. Nous disons gloire, gloire. C'est lui qui nous a transformés aujourd'hui. C'est lui qui nous a renouvelés. Qui a renouvelé nos forces. Oh, l'agneau est souverain dans nos vies. Oh, le rocher de mon salut, le berger de nos âmes, l'amour de nos vies, le bouclier de notre foi, qui est comme toi, notre Dieu, notre maître, notre roi. Oh, Yandé Rocher, oh, reçois-tu de la gloire. Il est glorieux, oh, glorieux. Aïe, à vos l'agneau. Bien de vos chers, bien de vos chers. Et nous élevons nos voix. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, il est souverain. Oh, oh oui, je reconnais que tu es souverain. Il nous a donné le pouvoir de domination. Il nous a donné la force pour prendre les vols comme des aigles. Oh.
Oh, il nous a permis de recevoir l'accélération divine en cet après-midi. Nous avons la vitesse, nous pouvons croire, nous pouvons courir comme des guépards. Nous prenons notre vol comme des aigles dans cette saison. Et nous gardons notre intimité avec lui. Yann de Seigneur de Seigneur, Jésus le Christ. Il a dit, ceux de mon peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Aïe, ne vos oh, amen, 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 amen. Cette nuit, je dormais. Je me suis couché un peu tôt, je ne sais plus, vers 18h, 19h. Je me suis réveillé à minuit 30. Mais j'ai fait un rêve. Après, j'étais en train de prier, je me préparais spirituellement, jusqu'au matin. Et le rêve que j'ai fait, je dormais. C'est comme si j'ai vu des hommes venir me mettre de... C'est comme des patins dans les pieds. C'est des patins à roulette. Donc je me suis dit, oh wow, c'est quoi ça? Et dans le rêve de quand je me suis levé, j'avais la vitesse! J'avais la vitesse! Alors, reçois cette vitesse dans le nom de Jésus. Reçois cette vitesse dans ta vie. Reçois l'accélération du livre dans ta vie. Reçois, il y a de l'autre de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer, Jésus? Arrête à Dieu, bon Dieu.